Allez, c'est parti. Donc, l'idée, maintenant, on a nos plateaux de chêne. Alors, quelque chose de très important. Ici, c'est un limon. Donc, il y a deux choses de limon. Alors, je vais t'embêter parce que tu es devant la caméra. Il faut juste s'habituer à ça. Moi, c'est pareil. Mais on y arrive. Donc, l'idée, c'est que ça va être le limon de nuit. Donc, tu as le limon de nuit qui est contre le mur, le limon de jour qui est visible, on va dire, ou en tout cas qui est libre. L'avantage ici, c'est qu'il y a un côté du limon qui va être caché, puisqu'il va être contre le mur. Donc, on peut partir sur ce plateau aussi. Si tu le retournes avec moi, tu vas comprendre. Hop. Si tu regardes ici, on n'aura pas la distance suffisante que pour masquer l'aubier. Donc, ça ne sera pas joli. D'accord ? Tu connais ça, l'aubier, etc. Ouais. Hein ? Donc, ici, on s'en fout, puisque ça va être côté mur. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout ? Parce que de l'autre côté, évidemment, on a la mesure, la distance suffisante. Hein ? Donc ici, notre limon, quand on regarde les plans, ils font 23. Donc nous, on va se donner une marge quand même assez importante, parce qu'on ne sait pas si on va couper droit, je vais faire 26 cm. D'accord ? Okay. Donc si tu regardes là, j'ai fait un trait. Voilà, donc tu peux mettre le cordex ici. Voilà. Et moi, je vais aller me mettre là-bas à 26. Alors oui, si je me mets ici, regarde un petit peu combien est-ce que j'ai. Mais comme ça, regarde. Comme ça. Là, à l'aubier, tu as 23. Comme ça. 26, oui. Et ici aussi. Non, ici, tu as 20. C'est bon ? Ok, donc. Sur le petit... ok. Ouais, ouais. Un trait de cordex, voilà. Et donc là, on a notre distance. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, tu te mets à l'arrêt de l'aubier. Ouais, voilà. Et normalement, moi, si je me mets ici, ça dit quoi, toi ? Oui. Là, ouais, t'as 26. Ou alors, je me mets comme ça. Oui, tu peux. Ce qu'il y a, c'est que là, tu vois, on a un petit trou avec de la... Voilà. Il n'est pas marqué. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. En fait, c'est juste pour nous avoir une idée. Maintenant, on va pouvoir couper à 3,80. On peut le prendre, le mettre sur les deux tréteaux. Donc ça, je vais juste montrer ici comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, ici, donc, on a fait les traits de cordex. Hop, on voit. On a fait les deux traits de cordex par rapport à l'aubier. Tout le long, et alors on a évité toutes les impuretés comme ici. Voilà. Alors, ici on a un trou, donc tout ça on fait partir. Ok, donc on peut les mettre sur les tréteaux, Louis, et on va couper ça à la circulaire. Attention.
voilà, comme vous pouvez le voir, donc on vient de raboter, enfin de dégauchir une face et mettre un champ d'équerre sur les limons. Alors, dans certaines vidéos, certaines personnes me demandaient comment est-ce que je faisais quand c'était des longues planches. Ben voilà, vous venez de le voir. Aujourd'hui, on a un peu plus de chance. Nom de Dieu, incroyable, hein, ce mec, hein. Donc je disais, aujourd'hui on a un peu plus de chance dans le sens où on a un stagiaire supplémentaire, donc Robert qui fait des études en cours du soir et qui vient suivre son stage chez moi. C'est son premier jour, donc il nous donne un coup de main en plus. Mais d'habitude, moi, je travaille avec une personne, hein, donc en l'occurrence Louis, mais ça a toujours été le cas. Et donc je mets une personne derrière et on a nos tables de sortie et d'entrée qui sont prolongées par du mobilier ou par des rouleaux. Donc voilà, ça c'était pour répondre aux personnes qui se posaient la question de savoir comment est-ce qu'on faisait quand les pièces étaient beaucoup plus longues. Donc voilà, on procède comme ceci, c'est un peu sport, mais ça fonctionne. Et quand vous voyez l'état de finition, je vais vous montrer, vous allez vous rendre compte que ben voilà, franchement c'est nickel. Comme vous venez de voir, on a dégauchi, raboté les limons. Donc maintenant, on est propre. On va pouvoir commencer à tracer les limons. Donc pour tracer les limons, ben, comme vous avez vu auparavant, on a fait les calculs de l'escalier. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on dessinait l'escalier sur SketchUp ou éventuellement sur un autre logiciel ou papier millimétrique. Maintenant on va tracer notre limon d'une manière vulgarisée, donc comme je vous ai dit, je vais essayer de rendre les choses le plus simple possible pour les amateurs qui voudraient se lancer à faire un escalier. Donc comment faire? Tout simplement, sur SketchUp vous avez fait votre plan comme je vous l'ai expliqué, vous l'imprimez et hors d'une planche qui a été déterminée par le plan, on va tracer maintenant notre limon. Une fois que les tracés sont faits, ben ça va être le défonçage, etc. Donc on va montrer tout ça. Donc on va commencer à tracer le limon. Et puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait les gabarits pour le défonçage et ce genre de choses. Donc maintenant, tout simplement, faire un beau trait d'équerre et mesurer la distance à 369,43. Donc 369,4 et demi. Il y a la possibilité par rapport au trait. Alors, petite subtilité, ce que nous on fait en général, on utilise en fait le mètre et on part à 10. Donc c'est-à-dire qu'à la place de faire un beau trait d'équerre, par exemple, bon, je vais déconner, mais je fais mon trait d'équerre ici, d'accord. Et puis en partant de là, à la place de prendre mon mètre déroulant et partir à 0, comme ceci, et essayer de trouver, on part à 10. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne mesure propre et d'aller jusqu'au bout. Donc ici, ben, j'aurai 379,43. Je fais un trait, je fais un trait d'équerre. J'ai ma planche telle qu'elle est dessinée finalement sur mon limon. Une fois que c'est fait, tout simplement reporter les côtes au-dessus, en dessous, par rapport au plan que j'ai fait. Donc on va déterminer le dessus et le dessous du limon en fonction des faces. Voilà, là on a vu qu'on avait l'aubier qui était pété là, sur le limon de nuit. On va essayer de s'arranger pour que ça soit sur le dessous et on masquera d'une manière particulière. Ou alors on fait justement l'inverse, on le fait exprès, on le met sur le dessus et on viendra remettre une latte comme ça de finition entre le mur et le limon, tu vois, qui ferait une baguette de décoratif, quoi. Une mûre, si une mûre par exemple est légèrement tordue ou ce genre de choses. Ok, donc je vais vous laisser tracer ça tous les deux avec l'équerre proprement. Sélectionner, ouais. On va sélectionner ensemble. Et si vous avez une question ou quoi que ce soit par rapport au traçage, vous me le dites. Faites ça à deux. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment très simple. Louis, normalement, c'est comment ça fonctionne puisqu'il a déjà fait. Thank you.
l'étape du défonçage des limons. Alors moi j'utilise le gabarit MFS 400 de chez Festool. Rien de bien compliqué. La seule différence, c'est que nous, on y installe un gabarit supplémentaire pour s'assurer un espace constant entre les marches. Donc, je m'explique, on utilise le gabarit avec une bague de copiage, donc bague de copiage de 30 de diamètre et une fraise qui fait 20 mm de diamètre. On vient régler l'espace entre le guide. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le réglage du guide MFS. Bon, je pense que y a plein de vidéos sur comment utiliser une bague de copiage, etc. Si maintenant vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto là-dessus, mettez-le en commentaire, j'essaierai de vous expliquer. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de bien chinois. Par contre, pourquoi est-ce que j'utilise une fraise de diamètre 20? C'est parce que après, la partie basse de ma marche, je vais y faire un arrondi, et l'arrondi, je vais le faire avec ma toupie. Donc, j'essaie d'utiliser la fraise qui est adaptée, évidemment, à l'arrondi que je vais faire par la suite avec ma toupie. Donc, comme je vous ai montré lors de la présentation de l'atelier, je me fais toujours des petites formes avec tous les fers que j'ai en stock. Comme ça, j'ai vraiment l'idée de la forme que je vais donner à ma marche ou à la moulure ou ce genre de choses. D'accord ? Donc, ça, c'était pour la petite histoire et de savoir comment est-ce que j'utilise. Maintenant, comment est-ce que le gabarit, on le fabrique? Alors, c'est tout con, mais chaque fois qu'on refait un escalier, on refabrique un gabarit de ce style-là. Donc, on prend deux planches de multiplex, 12 mm, qu'on vient aligner parfaitement contre notre limon. On a installé notre gabarit MFS par rapport au trait qu'on a fait. On vient y mettre une cale de 5 mm parfaitement parallèle à notre trait de marche et 5 mm sur l'avant et sur l'arrière de notre trait. Ça, c'est par rapport à notre bague de copiage. Une fois que ça a été installé, on vient stipper fermement notre gabarit MFS 400 et on vient créer un gabarit autour de celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on procède? Le multiplex qui est ici, on ne se tracasse pas, il fait 4-5 cm de large, peu importe. Par contre, ces planches-ci, qui sont latérales, c'est super important, c'est là-dessus qu'on va jouer et qui va nous permettre d'avoir un escalier parfaitement identique sur le limon de droite et sur le limon de gauche. Donc, je m'explique. On a défoncé notre première marche en essai, donc en l'ayant réglé, on a fait notre traçage, tout va bien. Ensuite, on va venir aligner, on va prendre la distance qu'il y a entre notre gabarit et le dessous de la marche précédente, pour couper une latte qui va être parfaitement alignée. Donc moi ici, je viens aligner ma planche au bas de ma marche et l'autre planche ici est alignée au-dessus de ma marche. Je suis sûr et certain que j'ai chaque fois le même espace et ma défonceuse étant préparée et réglée pour défoncer la marche suivante, je n'ai plus qu'à bloquer mon gabarit, défoncer et je passe à la suivante. Une fois que celle-ci est défoncée, ben pareil, je viens réaligner ma planche ici à ma première entaille et on fait pareil, donc ici, on va être aligné à la suivante et ainsi de suite. Donc si vous regardez ici, on a 5 mm entre le gabarit et le dessus de ma marche, donc je peux défoncer sans problème, je suis bon et j'avance ainsi petit à petit. Ok ? C'est clair, Louis ? Ouais. Allez, alors, donc on va défoncer tout ça et puis on vous reprend pour la suite des nez de marche de la des marches d'escalier. Donc attends, je vais le faire. Donc voilà, c'est clair, Louis? Oui. Donc du coup, on va défoncer les marches et puis je vous reprends pour la fabrication des nez de marche à la toupie. Hop. Thank you.
va arriver aux explications concernant le traçage des limons. Alors, je fais l'explication du traçage après le défonçage des marches, pour que vous puissiez comprendre. Louis se moque de moi, c'est pas sympa. Pour que vous puissiez comprendre justement l'intérêt d'utiliser seul le gabarit ou pas, ou des équerres et ce genre de choses. Bref, je vais débuter par le commencement, c'est-à-dire les plans de l'escalier. Donc je vous ai expliqué comment est-ce qu'on faisait les plans, comment est-ce qu'on calculait l'escalier. Je vous ai montré sur SketchUp comment est-ce que je faisais pour tracer le plan, mais que vous pouvez faire aussi sur des papiers millimétrés, et ce genre de choses. Une fois que votre plan est dessiné, on va arriver à peu près à ce genre de choses dans l'atelier. D'accord ? Donc, on a déterminé la longueur de la planche nécessaire pour réaliser notre limon, d'accord ? Et on va la débiter. Donc, on va dégauchir, mettre un choix d'équerre, mettre à épaisseur, et puis alors après, on va faire la largeur définie de notre limon. Donc ici, en l'occurrence, 23 cm. Une fois que les limons sont débités et sont mis à mesure, en se laissant toujours un bout de gras, comme je dis, donc on se laisse 5 cm à gauche, 5 cm à droite par rapport à la dimension finie de votre limon. Une fois que ça c'est fait, on va commencer à tracer le nez de marche de notre escalier. Donc on va faire un trait qui se situe ici, en l'occurrence, à 1,5 cm du bord avant du limon. Donc on a le bord supérieur de notre limon et on vient prendre une équerre comme ceci, où vous faites différents traits, ça il y a plusieurs méthodes. Je viens régler à 1,5 cm, je mets mon crayon et je viens faire un tracé tout le long de mon limon. D'accord ? Une fois que j'ai fait cette ligne parallèle au champ supérieur du limon, je vais devoir commencer à compasser tous les nez de marche sur cette ligne-là. Alors, comment est-ce que je vais déterminer ça ? Ben, tout simplement en partant de mes plans. Donc, une fois que j'ai dessiné mon plan, je vais devoir déterminer ici la jonction entre le nez de ma marche et cette fameuse ligne ici qui fait 1,5 cm. Donc, en gros, si ce n'est pas suffisamment clair sur le plan, c'est la jonction ici entre mon nez de marche et ce fameux trait d'1,5 cm que je viens de vous montrer. D'accord ? Alors, on va le déterminer. Donc ici, il fait 28,9 cm. Donc, on a notre plan de départ. On a dessiné nos pieds de limon selon les plans qu'on a fait sur SketchUp ou sur du papier millimétrique. Donc, ça, Louis vient montrer ici comment est-ce qu'on a fait. Donc, nous, on a fait. Ça, c'est la planche qui est rectangulaire. Ensuite, on vient faire des traits qui ont été définis sur les plans et on vient tracer. Donc, on va arriver au bout de notre limon. Voilà. Donc, ça, c'est les traits qui ont été réalisés selon le plan et on vient hachurer toutes les parties qui partent. Donc, ça, c'est la base qui va venir poser sur la trémie et ça, c'est la partie supérieure de la marche palière. Donc, tout ça, ça part. D'accord ? Donc, on conserve cette partie-là. Une fois qu'on a déterminé le premier nez de marche par rapport au plan qu'on a fait, on va venir installer nos traits à 28,9, etc. Pour ce faire, on ne va pas s'amuser à prendre notre mètre et faire 28,9 du premier trait, puis 28,9, non. On va prendre un mètre déroulant, on va se mettre à 10 au coin de notre premier trait, et on va reporter à chaque fois 28,9, donc 38,9 pour la première, puis plus 28,9 sur notre calculatrice, plus 28,9 sur notre calculatrice, et à chaque fois, on va venir faire le trait sur notre mètre, sur la mesure donnée par la calculette. Ok ? Je pense que c'est clair. C'est clair, Louis, quand j'ai fait comme ça ? Ok. Une fois que ça s'est tracé jusqu'au bout, on va reporter ces traits-là sur notre champ. Tout ça pour éviter en fait les calculs sur l'autre limon. Donc on a fait les traits ici à la jonction et on vient les reporter sur notre champ. Une fois que ça c'est fait, on met face à face nos deux limons, on les referme et on vient reporter les traits sur l'autre limon. On réouvre et pareil, on vient faire notre trait d'1,6 cm qui vient donc correspondre au nez de marche de toutes nos marches. Ok ?
Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tracer toutes nos marches et éventuellement contre-marches. Ici, c'est un escalier, escalier droit sans contre-marche, mais c'est le même principe si vous aviez une contre-marche. Donc, pour tracer, moi j'utilise un gabarit de ce style-là, où je vais déterminer ma hauteur de marche et mon giron. Donc attention, ça c'est super important de le comprendre, le giron, ce n'est pas la longueur totale de la marche. Le giron, c'est la distance entre le nez de marche et le nez de marche. Donc si on regarde ici sur le limon, on voit bien que le nez de marche et le nez de marche, quand je reporte un trait à la verticale à 90 degrés, ce n'est pas ma longueur totale de marche. Ma longueur totale de marche, c'est le giron plus le nez de marche, c'est-à-dire le débordement que nous allons avoir entre la marche supérieure et la marche inférieure, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de comprendre que c'est la hauteur du giron et la hauteur de marche, et non pas la longueur totale de la marche. Une fois qu'on a déterminé notre giron, donc ici, en l'occurrence, 20,8, ça a peu d'importance, hein, la distance, mais enfin, disons, comme ça, vous avez l'exemple concret par rapport à l'escalier qu'on est en train de construire. Donc, on a 20,8 de giron et une hauteur de marche de 19,9. Je viens mesurer de là à là, je fais un trait, je viens mesurer de là à là, je fais un trait. Une fois que ce trait-là est fait, je viens rejoindre mes deux traits, je fais une ligne qui rejoint mes deux traits, et cette ligne-là, je viens faire une parallèle par rapport à ma butée, qui correspond à la distance que j'ai déterminée ici. Donc en l'occurrence, 1,5 cm dans mon cas. Mais on pourrait très bien faire un débordement de 2 cm, un débordement de 5 cm, un débordement de 4. Ça, c'est un petit peu à votre choix. Moi, je fais 1,5 cm parce que ça fait plus propre, c'est plus fini. C'est mon choix, c'est comme ça. Une fois que j'ai mis la parallèle donc, entre ma butée et le trait que j'ai fait qui correspond donc à la distance entre mon giron et ma hauteur de marche, je viens resserrer mon gabarit. Donc voilà, c'est un gabarit tout simple. Pareil, si ça vous intéresse, on pourra aussi faire une présentation du gabarit. C'est le genre de choses, comme je vous dis, qu'on peut mettre clairement dans la communauté, par exemple. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient installer notre gabarit au niveau des traits qu'on a réalisés auparavant. Donc la jonction entre le nez de marche et la parallèle du champ avant. Pourquoi est-ce que je fais de la sorte et non pas venir mettre mon gabarit au niveau du premier nez de marche et puis tracer et puis venir reporter, tracer et reporter? C'est tout simplement parce que il suffit qu'au départ, j'ai fait une petite erreur ici au niveau de ma mesure et une petite erreur ici, et d'office, mon angle est légèrement différent, dans un sens ou dans un autre. Ça veut dire que par rapport aux mesures que vous avez été prendre directement sur chantier, votre escalier pourrait se retrouver avec un angle plus important ou moins important. Donc c'est très important de respecter cet entraxe entre les nez de marche que vous avez. Parce que ici, vous allez peut-être pouvoir faire tracer, venir rechercher, puis tracer, venir rechercher, mais quand vous allez arriver au bout, 0,5 mm ou 0,3 mm de différence par rapport à l'épaisseur du trait de crayon ou la petite différence que vous avez fait au tout départ, va se reporter en bout d'escalier et vous pourriez vous retrouver avec 1 cm trop loin ou trop court par rapport à la mesure que vous avez prise sur chantier. Donc c'est super important de venir mettre votre gabarit sur les traits que vous avez faits, à la jonction, faire un trait, hop, et ainsi de suite. Vous venez vous réaligner au trait que vous avez fait et vous refaites. Comme ça, si vous faites une erreur en positionnant votre gabarit au niveau des deux traits, de 0,5 mm d'un côté ou de 0,5 mm de l'autre, que vous faites la même erreur de l'autre côté, au grand maximum, vous allez avoir une erreur d'un millimètre. Et à la suivante, c'est pareil, vous allez être un peu trop haut ou un peu trop bas, mais elle va se reporter sur l'autre de 0,1 mm. Donc, il n'y a pas de cumul d'erreurs, il y a un report simple en face à face qui peut correspondre à maximum 1 mm. Je ne sais pas si c'est clair, Louis, ouais, ou pas. Oui, c'est bien clair. Ok, donc l'idée, hein, je fais comme si on traçait. Donc j'ai fait, voilà, Louis va vous montrer. Donc hein, on voit bien ici le trait au niveau de la jonction de mon nez de marche et de mon tracé. Et moi, je vais venir à chaque fois installer mon gabarit à la jonction de ces deux traits.
D'accord ? Donc ici, on voit bien, je viens gérer, je trace. D'accord ? Une fois que c'est fait, je viens reporter mon gabarit à la jonction des deux traits. Voilà. Et je trace, et je trace. Et tout ça pour vous montrer, regardez, bêtement, je suis à ma jonction. Et regardez la différence, le petit décalage que j'ai ici. D'accord ? Ça veut tout simplement dire que si maintenant, je me mets ici, je trace. Regardez, j'ai un léger désaffleur après mon défonçage. Ça veut dire que si je repars de ce fameux tracé où j'ai mon décalage et que je le reporte de marche en marche, je vais me retrouver avec une erreur de 2 cm, 3 cm. Alors certains vont dire, ouais, ben enfin, c'est pas grave, mon escalier sera un peu plus long, sera un peu plus court. Ok, ça je peux comprendre à partir du moment où vous avez une étendue extensible, où vous avez la distance disponible sans limite. Mais quand vous êtes dans une situation où vous avez une porte en bout d'escalier, ou bien que c'est un escalier qui est entre deux murs et qui vient buter contre une porte qui donne dans un hall, c'est des choses qui arrivent. Au millimètre, vous devez respecter. D'où l'intérêt de se souvenir de rétracter la dimension qu'on a ici. Donc, bien montrer, Louis. La distance qu'on a ici entre le dernier nez de marche et le bout du limon. Ça, il ne faut jamais oublier de la déduire de votre plan de départ de la réalisation de votre escalier. Donc, si ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les calculs d'escalier, je vous invite à aller la voir. Je mettrai un lien ici ou là-bas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ça, mais enfin, il y aura un lien, une suggestion pour aller voir la vidéo. Ça, c'est super important de comprendre le calcul de l'escalier. Alors, une fois qu'on a fait ces fameux traits, hein, comme je vous expliquais, donc ici, on a le giron et la hauteur de marche, ce n'est pas terminé. Parce que, en admettant qu'on ait une contre-marche, là, je suis parti de mon nez de marche jusqu'à la base de l'autre marche. Mais ma contre-marche, elle ne se situe pas au niveau du nez de marche. Je dois la décaler de la distance que j'ai décidée. Donc moi, ici, en l'occurrence, mes nez de marche, je l'ai fait de 3 cm. Mais ça veut aussi dire qu'il faut reprolonger le trait de la marche du bas. Donc de nouveau, souvenez-vous, quand on fait les plans, la marche, on la dessine toujours vers l'arrière. Donc on a fait notre giron et la contre-marche, elle se dessine sur la marche du bas vers l'arrière et non pas vers l'avant. Donc on reporte 3 cm. Là, on prend une fausse équerre. Hein. Bon, moi, j'ai des équerres alpha, mais vous prenez une fausse équerre, tout simplement, ou une sauterelle, je ne sais pas comment vous les appelez. Vous venez mettre sur votre trait et vous reprolongez votre trait de la distance de la contre-marche, du nez de marche. Donc ici, en l'occurrence, on vous dit 3 cm. Donc une fois que la marche a été tracée, vous reprolongez votre trait supérieur de 3 cm. Alors, avec cette méthode, vous ne sauriez jamais vous tromper du défonçage, donc c'est-à-dire de le faire vers le bas ou vers le haut, avec le gabarit qu'on va vous montrer par la suite. Quand on a fait les défonçages, vous allez comprendre qu'on utilise le gabarit MFS, mais on pourrait le faire avec un gabarit bois. Vous dessinez uniquement le dessus de votre marche, vous venez positionner correctement votre gabarit une bonne fois pour toutes au niveau de la première marche, et la manière dont on utilise le gabarit, nous, et comme on le fixe, vous allez vite comprendre que vous ne sauriez jamais faire d'erreur de défonçage, donc défoncer sur le dessus de votre marche plutôt que sur le dessous. Voilà. Est-ce que ça a été plutôt clair, ça, Louis ? Ouais, nickel. Ok ? Alors, dernière petite chose. Une fois qu'on a tout tracé, il est hors de question de couper le dessous de vos limons, donc les entailles en base de vos limons et en partie supérieure. Pourquoi ? Parce que vous allez en avoir besoin pour positionner correctement votre gabarit quand vous allez arriver au niveau de la marche palière ou au niveau de la dernière marche. Comme ça, votre gabarit est stable. Une fois que ça c'est fait, là maintenant on est au stade où tout est défoncé, on va pouvoir adapter les marches. Donc ça, c'est l'étape que vous allez voir par la suite. Donc le dégauchissage, on va faire nos arrondis, hein, donc qui correspondent parfaitement à l'arrondi de nos marches. Et puis alors, une fois qu'on a emboîté nos marches, qu'on a vérifié que les arrondis sont parfaits, que la dimension des marches correspond exactement à l'entaille, là, alors seulement, on va pouvoir couper nos limons et venir le positionner à la hauteur qu'on a relevée sur chantier. Par contre, pour ceux qui n'ont pas la hauteur suffisante, avec un peu d'imagination, on arrive à trouver des solutions. Donc moi, qu'est-ce que je faisais ? Je les traçais au sol. Et je venais présenter mon limon par rapport aux mesures que j'avais relevées sur chantier, aux bonnes mesures. Donc, d'où l'importance du relevé de cotes sur chantier
Voilà, s'il faut passer une heure et demie à prendre ces mesures sur chantier pour un escalier, il faut le faire. Et puis après, bien réfléchir au plan, comme je vous dis, pour tomber bon. Donc là, maintenant, nos limons sont tracés et on va attaquer pour le reste.